Le candidat Federici entre en campagne, c'est officiel. Il brigue désormais le fauteuil de président de l'université. Dans son équipe, des visages connus comme Antoine Aiello, ancien président durant 8 ans, mais aussi des directeurs de composantes à l'image de Dominique Verdogne et enfin des professeurs. Au total, une trentaine de personnes présentes, dont certains poids lourds. Une manière pour l'actuel numéro 2 derrière le président Romagne de tenter de marquer les esprits. Alors j'ai réuni cette équipe notamment pour montrer que cette démarche est une démarche collective avant d'être une démarche individuelle. Cette équipe a vocation, bien entendu, à réunir d'autres personnes pour travailler ensemble sur la construction du projet. Aussi un message à vos adversaires ? Ce n'est pas particulièrement un message, c'est un message à l'ensemble de la communauté universitaire. Mais sur sa route, il trouvera Christophe Storaï, le premier à s'être lancé dans la bataille. Le directeur du CFA universitaire veut insuffler une nouvelle dynamique. Sa priorité, imposer une gouvernance plus collégiale. Moi, en fait, ma candidature, elle est centrée sur un changement de logiciel, un changement de gouvernance, sur une gouvernance qui est beaucoup plus managériale, beaucoup moins centralisée, beaucoup plus axée sur l'humain et sur la responsabilité des ressources humaines, sur la décentralisation du pouvoir également, pour que justement les projets puissent être menés à terme avec un engagement collectif de toutes les ressources humaines de l'université. Enfin, Marc Mouzel y sera lui aussi sur la ligne de départ. Si une tentative de rapprochement avec Christophe Storaï a bien eu lieu, c'est la question du leadership qui a fait achoper les discussions. Vice-président en charge de la recherche depuis 8 ans, Marc Mouzel y rêve désormais du fauteuil présidentiel. Entre les trois candidats, la bataille pour les rênes de l'université s'annonce rude. L'élection se tiendra au mois de janvier.